Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, merci d'être revenus nombreux pour cette nouvelle séance du séminaire sur le projet de paix par le commerce au miroir du droit et à l'épreuve des faits. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui ont raté le début, je rappelle juste quel est l'objectif de ce séminaire, c'est d'essayer de réfléchir à la signification de ce projet du paix par le commerce dont on a déjà eu l'occasion de voir qu'on pouvait faire remonter son origine au XVIe siècle dans un contexte particulier puisque c'était celui des guerres de religion et qu'il s'agissait pour ses promoteurs d'essayer de trouver un mode de relation entre les États qui permette de mettre un terme à ces conflits fratricide et dévastateur. Et donc c'est là que l'idée a commencé à germer que l'interpénétration économique des nations pouvait être un facteur de paix, même si ce projet a évolué au cours des siècles de façon à prendre une forme nouvelle à partir des années 1970, à la suite des chocs pétroliers, qui correspond à ce qu'on appelle l'ère néolibérale. Donc déjà, c'est un des intérêts hein, de ce séminaire depuis le début, d'avoir montré que finalement, cette ère néolibérale, c'est véritablement une variante d'un projet plus ancien. Historiquement, dans sa pureté théorique, quand le néolibéralisme naît dans les années 1930, là encore dans un contexte de l'après-guerre mondiale et d'une des plus grandes crises économiques que le monde contemporain ait connue, la crise de 1929, les partisans, les pères fondateurs du néolibéralisme se réunissent pour tirer le constat de l'échec du libéralisme classique, tel qu'il avait notamment été théorisé par Adam Smith, et qui reposait, pour faire simple, sur l'image bien connue de la main invisible du marché, capable de satisfaire le bien commun en laissant chacun poursuivre ses intérêts égoïstes. Et donc, face à ce constat d'échec du libéralisme classique, les pères fondateurs du néolibéralisme se réunissent en 1938 pour essayer de refonder le projet libéral et à travers lui le projet de paix par le commerce. Ce qu'on a vu lors des séances précédentes, c'est qu'une difficulté tient au fait qu'il n'y a pas un, mais plusieurs néolibéralismes, de sorte que certains auteurs préfèrent parler de néolibéralisme au pluriel plutôt qu'en singulier. On a fait le choix ici de continuer de garder le singulier tout en soulignant, et c'est vraiment important de le garder à l'esprit, que malgré tout, il y a plusieurs chapelles dans l'église néolibérale, de sorte que du point de vue théorique, ce qui véritablement permet de faire le lien entre toutes ces écoles de pensée, c'est le rôle qu'elles attribuent au marché dans la satisfaction du bien commun. Puisque, effectivement, c'est peut-être le plus petit dénominateur commun entre les différentes écoles qu'on rattache au néolibéralisme, cette conviction que le marché, finalement, et source de prospérité à partir du moment où on le laisse fonctionner et à travers cette prospérité, source de progrès social. Malgré tout, du point de vue théorique, il y a une espèce de gradation sur la question de savoir si l'État doit ou non intervenir pour permettre au marché de fonctionner de façon optimale. Et c'est cette gradation, en réalité, qui vraiment fait la grande différence entre les différentes écoles de pensée du néolibéralisme, puisque, si on schématise un peu, il y a
d'un côté extrême, si on dessine un arc de cercle, ce qu'on appelle le libertarianisme, qui milite, pour faire simple, même si je réduis la pensée à son strict minimum, c'est très saillant, on appelle un droit sans l'État. Vous avez à côté, dans un sens en quelque sorte intermédiaire, un ultralibéralisme qui finalement correspond un peu aux idées qui ont influencé à la fin des années 1970 en Grande-Bretagne et aux États-Unis les politiques de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Ultralibéralisme qui a été inspiré des thèses de Milton Friedman et de Friedrich Hayek, qui sont, il faut le souligner et le rappeler, deux prix Nobel d'économie, et qui ont vu leurs idées traduites par Ronald Reagan lorsqu'il a prononcé son discours d'investiture en 1981, de la façon suivante: l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Et le mieux de gouvernement est un moins de gouvernement. Ces idées ont prospéré, il faut aussi insister dessus, dans un contexte économique de crise qui est le contexte des chocs pétroliers des années 1970. Il faut pas oublier que le point de départ de ces chocs pétroliers, c'est la guerre du Kippour avec Israël, puisque les États-Unis sont accusés de soutenir le pays et font l'objet de mesures de représailles de la part de pays producteurs de pétrole. Représailles auxquelles les pays tentent, dans un premier temps, de remédier en menant des politiques de relance keynésienne classiques, mais qui non seulement échouent, mais s'avèrent presque contre-productifs, puisque ces politiques de relance conduisent les pays producteurs de pétrole à nouveau augmenter leurs prix. Après l'avoir fait en 1973, ils le font à nouveau en 1979. De sorte que les prix du baril augmentent de 70% et que les politiques de relance keynésienne paraissent totalement dépassées. Les politiques cherchent donc une alternative pour pouvoir essayer de redresser la situation face à une inflation qui a explosé, puisqu'elle approche les 13%. Au début des années 1980 aux États-Unis. Et c'est donc dans ce contexte, en réalité, que l'idée commence à s'imposer, que la solution est peut-être à aller rechercher dans ce qu'on a appelé ces thèses ultralibérales. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Margaret Thatcher, première ministre britannique qui arrive au pouvoir en 1979 est la première à se faire élire sur un programme ultra-libéral avec ce slogan: There is no alternative, on n'a pas le choix. Mais qu'au même moment, aux États-Unis, en réalité, est nommé à la tête de la réserve fédérale américaine, la banque centrale du pays, quelqu'un qui va mettre en place, dès cette époque aussi aux États-Unis, les politiques ultralibérales. Et donc, c'est en 1981 que Ronald Reagan va officialiser ce tournant ultralibéral du pays lors de son élection. Ce qu'il faut enfin souligner, c'est que ces politiques, qui ont été qualifiées de politiques d'austérité, vont produire les effets économiques escomptées, puisque effectivement elles vont permettre de ramener l'inflation de 13% à quasiment 2% en quelques années. Alors cette thérapie de choc
et la conversion d'un peu tous les États du pays à ces remèdes a fait que on a pu y voir dans les années 1990 l'avènement de ce qu'on a appelé une pensée unique. D'autant que en 1989, un économiste avait démontré qu'il existait ce qu'il avait appelé le consensus de Washington, qui consistait finalement pour toutes les grandes organisations internationales à se convertir à ces idées ultralibérales et à conditionner leurs aides aux pays en difficulté à la mise en œuvre de ces cures d'austérité. Mais à côté du libertarianisme et de l'ultralibéralisme, il y a un troisième courant qu'on peut rattacher au néolibéralisme. C'est ce qu'on appelle le courant statolibéral, qui ménage un rôle plus important à la puissance publique dans l'économie, dont l'école la plus importante est sans doute l'école ordolibérale allemande. Sachant que l'originalité finalement de cette troisième tendance, c'est d'œuvrer non pas à la mise en place d'une économie libre de marché, mais à la mise en place d'une économie sociale de marché. Donc, pour cette raison, cette troisième tendance ménage une place plus importante à l'État dans l'économie, puisque l'État est chargé, selon elle, à la fois de construire le marché et de l'entretenir pour assurer son bon fonctionnement. Or, cet ordolibéralisme, il est au fondement en Europe de la construction communautaire depuis les années 1950, même si il est vrai que la construction communautaire elle-même a fait l'objet d'une réinterprétation dans les années 1980 pour, en quelque sorte, s'aligner sur la politique économique américaine. Mais cette réinterprétation n'a pas conduit à un alignement pur et simple, puisque même si il y a eu des réformes importantes menées des politiques sociales en Europe sur la période, quand on compare les politiques sociales américaines et les politiques sociales européennes, on constate bien que les pays ont deux visions très différentes du rôle de l'État dans l'économie. Alors, ces constats sont vraiment très importants, mais sont compliqués par le fait que, en réalité, quand on regarde ce qu'ont fait les politiques depuis les années 1980, c'est qu'ils ont toujours combiné, en fonction des nécessités du moment, ces différentes théories économiques, de façon que, en réalité, à côté du néolibéralisme de théoricien, existe un néolibéralisme vécu ou réel qui est parfois très différent de ce que préconisaient les prix Nobel à l'origine des théories dont on parle. Il y a eu en permanence, au gré des crises, une espèce d'hybridation des différentes écoles de pensée, avec des résultats plus ou moins variables en termes d'efficience économique, mais qui, malgré tout, et c'est ce que je voudrais qu'on arrive à approfondir un petit peu plus aujourd'hui, malgré tout, ont bien transfiguré le droit tel qu'il était hérité de la période antérieure. Alors la période antérieure, c'est ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusque les années 1970-1975. Et c'est une période très différente parce que
Souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'initiative privée se trouve décimée par le conflit. Alors, la Seconde Guerre mondiale, c'est 45 millions de morts, ce qui fait que quand on sort de la guerre, eh bien, ce sont les États, hein, notamment en Europe, qui organisent la reconstruction et prennent en charge les activités économiques les plus sensibles, comme par exemple la distribution d'énergie ou encore le transport ferroviaire au niveau national ou aérien, parce que, eh bien, il y a un vide que la puissance publique doit combler. À la fin des années 1970, les choses sont assez différentes parce que en 30 ans, l'initiative privée s'est développée, pendant que les grands opérateurs publics s'essoufflent en quelque sorte en faisant la preuve croissante de leur inefficacité, ce qui ne fait qu'aggraver les effets des chocs pétroliers. Et donc, dans ce contexte, les réformes économiques qui ont été menées ont en quelque sorte une dimension prénormative, dans le sens où la pensée économique va offrir aux autorités politiques des sortes de réformes clés en main que les autorités n'auront qu'à transposer dans le droit positif. Alors, schématiquement, c'est effectivement ce qui va se passer, même si, hein, comme je l'ai dit et je le redis, les autorités politiques vont se reconnaître le droit de prendre des libertés avec les théories pures pour les combiner au gré des contraintes du moment et aussi sous la pression des citoyens dans les grandes démocraties. Mais malgré tout, le droit qui va émerger de cette période va être très différent de celui de la période antérieure, même si finalement ces différences ne vont pas forcément être visibles au premier coup d'œil, ne serait-ce que parce que on va continuer de s'appuyer sur les mêmes textes. Je pense par exemple ici au traité fondateur de l'Union européenne, dont la lettre du droit de la concurrence va rester inchangée, mais dont l'esprit du texte va être compris de façon très différente. Ici, un exemple très simple permet de comprendre ce qui s'est passé. Jusque à la fin des années 1970, au sein du marché européen, on considère que la libéralisation des échanges entre les États membres ne concerne que le secteur privé. De fait, il y a donc une espèce d'immunité du secteur public face à cette libéralisation des échanges. Sauf que, à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, l'idée s'impose que la libéralisation des échanges concerne aussi les entreprises publiques. Donc la lettre du texte reste la même, mais l'interprétation dont le texte fait l'objet change. Ce qui prouve que cette transformation est à l'époque quasiment invisible, parce que justement elle se fait parfois de façon silencieuse, même si au fur et à mesure du temps, elle va se faire de façon de plus en plus visible, avec l'apparition et la montée en puissance de principes nouveaux. Et là, on peut donner à nouveau un exemple très simple, qui est celui du principe de sécurité juridique. C'est un principe qui est inconnu du droit français jusqu'au tournant des années 1990-2000. Le droit français a un principe de non-rétroactivité qui recoupe, par certains égards, cette idée de sécurité juridique, mais dont les implications sont beaucoup plus modestes. Mais à la suite de ces grandes transformations, eh bien, le principe de sécurité juridique va monter en puissance en droit communautaire, puis en droit de l'Union européenne, et va finir par s'imposer comme un grand principe directeur du droit français, ce qui s'explique dans la mesure où
au-delà de ses implications juridiques, ce principe de sécurité juridique, c'est aussi un principe d'efficience économique. C'est un principe auquel les opérateurs économiques, notamment les grands opérateurs économiques internationaux, sont attachés parce que il permet de sécuriser dans le temps leurs investissements et donc de fiabiliser leur retour sur investissement. Mais l'apparition de ces principes nouveaux va rétroagir sur l'ensemble de l'écosystème juridique, puisque si, comme dans la nature, on envisage l'écosystème comme quelque chose qui est en équilibre, eh bien, on comprend bien que, comme dans la nature, quand on introduit un élément nouveau dans cet écosystème, cet élément nouveau va rétroagir sur les éléments préexistants, jusqu'à ce que l'écosystème arrive à retrouver une espèce de situation d'équilibre. Et donc c'est véritablement ce qui va se passer, et c'est pour ça que rétrospectivement, il apparaît que le néolibéralisme vécu progressivement à partir des années 1970-1980 va entraîner un certain nombre de remises en cause du droit antérieur, dont j'aimerais donner trois traits qui me semblent saillants ici, parce que il résume un peu bien, enfin, il résume bien, je trouve, les grandes transformations qui ont été opérées. Alors, le premier trait saillant, c'est la remise en cause du monopole de l'État dans la définition de l'intérêt général. Depuis la Révolution française, il y a en quelque sorte deux conceptions de l'intérêt général qui ont émergé si on reprend l'analyse qui avait été faite par le Conseil d'État français dans un rapport de 1999. La première conception, le Conseil d'État la qualifie d'utilitariste, puisque elle consiste à partir du principe que l'intérêt général, c'est la simple addition des intérêts particuliers. C'est une lecture en quelque sorte littérale d'Adam Smith et de sa main invisible, qui consiste à dire qu'au fond, pour faire le bien commun, il suffit simplement de laisser chacun aller à la satisfaction de ses intérêts égoïstes. Alors c'est une conception qui, si on prend le cas américain, repose sur certains fondements, puisque aux États-Unis, on nous explique que la conquête de l'Ouest s'est faite par l'initiative privée, pas par la puissance publique. Mais c'est une conception qui est contestée depuis la Révolution par une autre conception qu'on qualifie de volontariste et qui consiste, elle, à voir l'intérêt général comme le dépassement des intérêts particuliers. Alors que dans le cas de la conception utilitariste, l'intérêt général, c'est simplement l'addition des intérêts individuels. Dans le cas de la conception volontariste, c'est le dépassement des intérêts individuels. Mais qui dit dépassement dit nécessité d'un arbitre, d'un tiers impartial qui soit capable de déterminer entre les différents intérêts individuels en présence ceux qu'il convient de prévaloir pour le plus grand bien de tous. Or, ce tiers impartial, progressivement, au 19e et même au début du 20e siècle, ça va être l'État. Dit autrement, l'État va progressivement prendre l'intérêt général sur ses épaules et en devenir le garant. C'est comme ça jusqu'au choc pétrolier et à la révolution ultralibérale de Reagan et Thatcher,
puisque une de ses implications, ça va être de contester à l'État son monopole sur la définition de ce qu'est l'intérêt général. Cette contestation, elle va être menée par les grands opérateurs économiques, là encore, qui vont défendre l'idée que eux aussi, par leur action, puisque ils sont créateurs de richesses, eh bien, contribuent à cet intérêt général. Et cela va avoir des répercussions importantes sur le droit positif, le droit étatique, dans la mesure où on va se rendre compte que un nombre croissant de normes va commencer à être co-construit par l'État avec l'initiative privée, par le biais de différents mécanismes, par le biais d'abord de ce qu'on a appelé les instances de régulation, puisque si on prend par exemple l'autorité de la concurrence ou la commission de régulation de l'énergie, eh bien, on se rend compte que il s'agit de domaines d'activité qui sont devenus tellement techniques que désormais, l'État, quand il envisage de modifier la réglementation, recueille d'abord les avis des opérateurs en cause, de façon à enrichir, en quelque sorte, son projet de décision initiale à la lumière de leur expérience. On peut ici donner aussi l'exemple des normes techniques, comme celles qui sont élaborées par l'AFNOR, puisque au fond, l'AFNOR, c'est une association qui permet aux opérateurs économiques de se mettre d'accord sur l'adoption de normes de droit souple qui leur semblent nécessaires de mettre en place pour permettre une saine concurrence, mais qui, une fois négociées, font l'objet d'une homologation ministérielle. Et puis, bien sûr, il y a tout le travail de lobby qui est fait par les opérateurs économiques auprès des élus, la nation, que ce soit au niveau local ou au niveau national, qui consiste, hein, très concrètement, pour eux, à, lors de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi, aller voir un député ou un sénateur avec une suggestion d'amendement, là encore, clé en main, puisque le lobbyiste va donner aux parlementaires le texte, proposition de texte juridique qu'il souhaite que le parlementaire défende dans l'hémicycle, devant le gouvernement et les autres élus de la nation. Or, cette forme de lobby est vraiment très fréquente. Elle fait l'objet, depuis le tournant de l'année 2010, d'un encadrement renforcé, puisque désormais dans les chambres, il doit y avoir un registre des lobbyistes et les lobbies doivent être signalés. Mais ce qui est intéressant, c'est que de 1970 jusqu'au début de l'année 2010, eh bien finalement, il n'y a pas d'encadrement. Et donc, par le biais de ce lobbying, là encore, l'initiative privée arrive à être associée à l'élaboration du droit étatique. Enfin, une dernière modalité de cette co-construction publique-privée tient à l'instrumentalisation qui va être faite du juge au cours de la période. Qu'il s'agisse du juge constitutionnel, du juge communautaire ou du juge ordinaire.
Ce qui est intéressant, s'agissant du juge constitutionnel, c'est de regarder comment les choses se passaient avant l'adoption, de la question prioritaire de constitutionnalité et comment elle se passe depuis. Avant l'adoption, de la QPC, les opérateurs économiques ne pouvaient pas déclencher eux-mêmes une saisine du juge constitutionnel. Mais là encore, par leur travail de lobbying, ils pouvaient inciter des parlementaires à déclencher cette saisine, puisque depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent effectivement saisir le Conseil constitutionnel d'une loi tout juste adoptée avant sa promulgation. Et surtout, surtout, le Conseil constitutionnel a accepté d'ouvrir ce qu'on a appelé une porte étroite pour accéder à son prétoire, cette image renvoyant à la faculté laissée à tout tiers intéressé de produire des observations devant le Conseil avant qu'il ne se prononce. Parce que ces observations ont longtemps été confidentielles, elles sont rendues publiques depuis 2 ou 3 ans, mais jusqu'à présent, elle restait confidentielle. Le juge, bien sûr, était libre d'y prêter attention ou non, mais en pratique, on peut penser qu'il pouvait être sensible à certaines observations, de sorte que par leur intermédiaire, les opérateurs économiques pouvaient, là encore, peser sur le sens de sa décision et donc peser en faveur d'une co-construction publique-privée de la loi. Devant le juge conventionnel, le juge ordinaire, c'était un petit peu la même chose. Hein. D'autant que le juge ordinaire, si on prend le cas du droit de l'Union européenne, c'est le juge de droit commun de la bonne application de ce droit de l'Union européenne. Donc on commence d'abord par saisir le juge ordinaire, et puis éventuellement, on peut aller devant la juridiction conventionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'office du juge administratif, si on prend son exemple, a été amené à évoluer pour davantage tenir compte de l'impact économique de ses décisions, chose qui n'existait pas dans la période antérieure. Le juge rendait une décision, il validait ou invalidait un acte de l'administration. Par hypothèse, eh bien, la suite que l'administration réservait à sa décision était étrangère à l'office du juge. D'ailleurs, il arrivait assez souvent que le juge donne raison à un opérateur économique en annulant la décision de l'administration, mais que l'administration n'en tire aucune conséquence et que finalement, pour l'opérateur économique, c'était comme si le juge n'était pas intervenu. Les choses changent avec l'ère néolibérale, puisque des réformes vont doter le juge des pouvoirs d'injonction, d'injonction sous astreinte, de pouvoirs de référé, dont les opérateurs économiques vont tout de suite s'emparer pour faire reconnaître le caractère fondamental de leurs libertés économiques, de façon à ce que le juge puisse véritablement imposer à l'administration de les respecter. Ce qui va, là encore, changer l'office du juge, mais aussi changer le rôle de l'administration qui, au fur et à mesure du temps, finalement, va se transformer dans une espèce de rôle de conseil aux entreprises en matière de développement économique. Et ça, c'est une tendance lourde qui résume bien la période et la rupture par rapport à la période antérieure. C'est que la puissance publique tout entière va être mise au service du développement économique, de sorte que la raison d'être, en quelque sorte, des pouvoirs publics va devenir de soutenir l'initiative le développement de l'initiative privée, soutenir le développement d'initiative privée grâce à un cadre juridique avantageux pour les entreprises. Et là, je refais le lien avec l'essor du principe juridique, grâce aussi à la mobilisation d'un certain nombre d'instruments financiers. Je pense aux aides aux entreprises, aux aides à la création d'entreprises, mais aussi aux aides aux entreprises en difficulté, puisque toutes ces actions vont converger pour permettre à l'initiative privée de s'épanouir. Toujours avec cette même idée, c'est que l'épanouissement de l'initiative privée est synonyme de création des richesses et que la création des richesses
et source de progrès social. C'est ce que certaines personnalités politiques avaient résumé au tournant des années 2000 en disant que, avant de pouvoir redistribuer les richesses, encore faut-il pouvoir les produire. C'était notamment la position d'un Tony Blair en Grande-Bretagne. Mais à chaque fois, on voit bien que finalement, l'État perd son monopole dans la définition de l'intérêt général, puisque il devient en quelque sorte dépendant dans sa pleine réalisation des acteurs du marché. Alors c'est une première différence notable dont découle une deuxième différence, à mon sens tout aussi importante, c'est le redéploiement de ce qu'on a historiquement appelé la conception française de la séparation des pouvoirs. Redéploiement de la conception française de la séparation des pouvoirs. Tout le monde se rappelle de Montesquieu, de son ouvrage sur l'esprit des lois paru en 1748 et de son fameux chapitre dans lequel il explique que pour prévenir l'arbitraire du pouvoir, eh bien, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ce sont ces mots. Ces idées sont mises en œuvre lors des grandes révolutions du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, à tel point que la Déclaration française de 1789 dit explicitement que tout État dans lequel la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'a point de constitution. Sur la base de ces idées, les révolutionnaires et leurs successeurs vont mettre en place un système complexe de poids et contrepoids qui va consister à diviser et subdiviser en interne les différents pouvoirs ou autorités de l'État de façon à prévenir leur arbitraire. Alors, c'est pour ça en France qu'on a un exécutif bicéphale, avec un président de la République, un premier ministre. C'est pour ça qu'on a un parlement bicaméral, avec une assemblée nationale, un sénat. C'est pour ça, historiquement, qu'on a deux ordres de juridiction, une juridiction ordinaire et une juridiction administrative. Mais on pourrait en réalité multiplier les exemples, parce que c'est aussi pour ça, historiquement, qu'on a une police nationale et une gendarmerie nationale. Parce que l'idée était que les deux forces publiques puissent se neutraliser l'une l'autre en cas de tentative de coup d'État. C'est pour ça qu'on a eu la séparation de l'ordonnateur et du comptable dans la sphère administrative. C'est pour ça qu'on a eu des préfets de région et des préfets de département. C'est pour ça qu'on a eu des élus et des fonctionnaires, etc., etc., etc. Alors ce système subtil et intellectuellement très séduisant a commencé à poser des problèmes dans les années 1970 et 1980 en raison de son coût, ou plus précisément de son surcoût par rapport à certains retours d'expérience étrangers, notamment retours d'expérience des pays anglo-saxons qui, par exemple, ne connaissent pas la séparation de l'ordonnateur et du comptable, ou encore ne connaissent pas, dans le cas des États-Unis d'Amérique, de la dualité chef de l'État-Premier ministre. Et c'est la raison pour laquelle on a constaté dans les années 1980 la montée en puissance de critiques, du fonctionnement des institutions françaises, qui sont intéressantes parce que quand on regarde bien, finalement, ces critiques tendaient au fond à une chose, elles étaient de ce point de vue-là parfaitement cohérentes avec le projet ultralibéral, puisqu'il s'agissait de diviser les pouvoirs de l'État, mais
pour faire de cette division non pas tant une garantie contre l'arbitraire du politique, mais pour faire de cette division une garantie du fonctionnement optimal du marché. Et donc, on se rend compte que les dualismes, certains dualismes vont être contestés, alors que d'autres vont être consolidés. Et parmi les dualismes contestés, on trouve par exemple cette question posée par l'événement du jeudi en 1989. Le Sénat vaut-il le milliard de francs qu'il coûte par an? Donc c'est intéressant, c'est que on assiste à une critique de l'existence du bicaméralisme en France, mais une critique anglaise du point de vue économique. C'est le coût du Sénat qui est mis en cause, ce qui n'est pas anodin, hein, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue comment sont financées les institutions. Elles sont financées en grande partie par les impôts prélevés sur les ménages et sur les entreprises. Ce qui veut dire que, du point de vue économique, la multiplication des institutions démocratiques peut être source d'un surcoût préjudiciable à la compétitivité d'une économie, parce que les opérateurs qui ont les moyens vont toujours préférer aller s'installer sur les territoires fiscalement les plus avantageux pour eux. Et de la même façon, eh bien, on constate que vont être développées des critiques à l'égard du pouvoir exécutif avec des propositions visant à introduire le régime présidentiel américain en France, c'est-à-dire à supprimer la fonction de Premier ministre pour la concentrer entre les mains du chef de l'État. Alors c'est intéressant parce que là encore, ça fait partie de cette idée qu'il y a des dualités qui génèrent des surcoûts qui finalement apparaissent inutiles par rapport à l'impératif de bon fonctionnement du marché, même si, du point de vue démocratique, historiquement, ce sont des dualités qui ont été rendues nécessaires pour assurer le respect de la volonté générale. Alors, ce même phénomène, finalement, va se généraliser un peu partout. On peut y rattacher le phénomène de cédéisation, par exemple, de la fonction publique, puisque la règle a été, jusque dans les années 2010, qu'un fonctionnaire devait être un fonctionnaire titulaire, mais c'était une garantie, là encore, contre l'arbitraire du pouvoir politique, parce que l'idée, c'était que le fonctionnaire titulaire, grâce à son statut de titulaire, aurait, comment dire, la possibilité, l'indépendance nécessaire pour s'opposer aux décisions illégales ou liberticides de son autorité. Or, avec le temps, fonctionnaire titulaire présente un inconvénient, c'est que l'administration est obligée de l'employer à vie, même quand elle n'a plus besoin de ses services, alors que la cédéisation de la fonction publique donne de la souplesse dans la gestion de la masse salariale, puisque tout le monde sait bien que même si on obtient un CDI, eh bien, il y a possibilité pour l'employeur de rompre le contrat avant l'échéance. Et comme ça, on constate que d'autres dualités ont également été remises en cause, là encore, pour des raisons économiques. On pense par exemple aux critiques récurrentes dont fait l'objet la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Alors la séparation se maintient en apparence dans l'administration, mais en réalité en apparence seulement, puisque quand on creuse les choses, on s'aperçoit que le droit positif a été réformé pour offrir aux administrations la possibilité de gérer leurs services publics par le biais de structures parapubliques qui juridiquement s'analysent comme des entreprises commerciales, type société d'économie mixte, société publique locale, société d'économie mixte à usage unique,
qui, elles, étant des structures de droit privé, même si leur actionnariat en général est majoritairement public, ne sont pas soumises à la séparation de l'ordonnateur et du comptable. On constate qu'il y a eu un rattachement organique de la gendarmerie non plus au ministère de la Défense, mais à celui de l'Intérieur, opéré en 2009. Alors que jusqu'à présent, les deux corps de police, gendarmerie et police, relevaient de deux ministères différents. Ce qui n'était pas historiquement anodin, hein, puisque c'était la conséquence de la volonté de permettre aux deux forces de s'opposer pour se neutraliser en cas de besoin. Mais on a fait ce rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur à l'époque parce que c'était un préalable à la fusion des deux corps. Enfin, c'était ça qu'on voulait. Mais là encore, avec en toile de fond des idées d'économie qui sont destinés, hein, il faut pas perdre ça de vue, c'est la cohérence des réformes destinées à diminuer le coût de fonctionnement de l'État au sens large, mais pas diminuer le coût pour diminuer le coût, c'est diminuer le coût pour pouvoir baisser la pression fiscale sur les opérateurs économiques et donc rendre le marché domestique plus attractif pour les acteurs étrangers. Mais ces derniers ne veulent pas simplement payer moins d'impôts, ils veulent également un climat qui soit favorable à leurs affaires, c'est-à-dire un climat qui sécurise leurs transactions économiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans le même temps que certains dualismes historiques se trouvaient contestés, d'autres se sont trouvés consolidés. Et ici, on peut donner l'exemple de la séparation verticale des pouvoirs. Séparation verticale des pouvoirs, c'est celle qui consiste à opposer les administrations locales au pouvoir central. Ça, c'est une vieille idée libérale, hein, qu'il faut pouvoir opposer le local au national pour faire du local un contrepoids au national. Mais c'est un dualisme qui, finalement, n'a commencé à prendre de l'importance en France qu'à partir de 1981, c'est-à-dire que dans le contexte de l'après-choc pétrolier des années 70. Alors là encore, c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin, même si l'essor de la décentralisation est multifactoriel, dans le sens où la gauche qui était au pouvoir à l'époque, il y a vu un moyen sur la durée de se maintenir aux affaires en faisant en sorte que ces élus puissent avoir des responsabilités au niveau local sur la durée si jamais il devait y avoir une alternance au niveau national. Donc il y a une part de calcul politique, mais il y a aussi des considérations économiques qui ont joué puisque la décentralisation, l'approfondissement de la décentralisation a été voté par la droite à l'époque. Et la droite l'a voté parce que dans le contexte des chocs pétroliers, l'idée c'était aussi de rapprocher la prise de décision des citoyens en se disant que les décisions prises au plus près des citoyens seraient finalement plus adaptées à leurs besoins et donc plus efficientes et efficaces sur la durée que des décisions imposées du niveau national. Donc il y a eu l'idée de performance de l'action publique qui a justifié la réforme, mais il y a aussi eu l'idée qui a pris de l'ampleur par la suite de permettre aux autorités locales de faire contrepoids à l'action de l'État, notamment dans la mise en œuvre des politiques européennes. Et effectivement, l'évolution a fini par confier aux autorités locales le soin elles-mêmes de vérifier si les mesures prises par l'État, qu'elles devaient appliquer à leur niveau, n'étaient pas contraires à ces engagements européens. Dans le même temps, la séparation horizontale des pouvoirs a été renforcée avec la transformation du juge en un véritable pouvoir. Si on prend le cas français, pour des raisons historiques,
On considérait depuis la Révolution française qu'il y avait deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et à côté d'eux, une autorité, l'autorité judiciaire. Le choix des mots n'était pas innocent, parce que il visait à secondariser en quelque sorte l'importance de l'autorité par rapport à celle des pouvoirs, la nuance tenant au fait que les pouvoirs étaient élus par les citoyens de façon démocratique, et donc bénéficier d'une légitimité supérieure à celle des juges et, par suite, était en droit de leur imposer leur vue. Donc, dernier mot était donné aux politiques, et c'est la raison pour laquelle, explique-t-on, l'État français a longtemps été un État légal avant d'être un État de droit. Enfin, la France n'est devenue un véritable État de droit que en 1971, finalement, avec la décision du Conseil constitutionnel, liberté d'association, expliquant que le préambule de la Constitution de 1958, et donc la Déclaration des droits de l'homme et le préambule de 1946 sur les droits sociaux, avaient également valeur constitutionnelle et que le juge constitutionnel pouvait apprécier la validité d'une loi au regard de ces textes. Alors ça a été un bouleversement d'ampleur, mais très rapidement, finalement, cet état de droit est devenu un état de droit en quelque sorte économique, puisqu'il a été mobilisé, il a consisté à mobiliser, comme je le disais, le juge, de façon à s'assurer que le législateur ne perturbe pas par ses choix politiques l'objectif de bon fonctionnement du marché, notamment en remettant en cause ses engagements supranationaux ou internationaux. Donc de ce point de vue-là, finalement, la constitution au sein de l'Union européenne d'une justice constitutionnelle, hein, c'est-à-dire d'une justice supranationale, qui ait un pouvoir de dernier mot sur les choix des législateurs nationaux, a aussi été perçue comme une dualité devant être consolidée, car permettant de satisfaire à l'objectif de bon fonctionnement du marché induit par le projet néolibéral. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà beaucoup de choses, mais on se rend compte effectivement que des petits changements en apparence, comment dire, anodin, car isolé, constitue une espèce de toile impressionniste quand on les met bout à bout, qui participe d'un projet plus global à la cohérence d'ensemble, ce projet ayant été, à partir des années 1970, de mobiliser le droit étatique pour en faire une source de développement de l'initiative privée, fort de cette idée, hein, qu'il faut jamais perdre de vue, parce que c'était vraiment ça le projet. De faire de l'initiative privée le moteur de la croissance économique dont devait découler la création des richesses et à travers elle le progrès social. Donc il y a eu finalement un phénomène de déconstruction finalement des garanties préexistantes contre l'arbitraire du pouvoir puisque les priorités étaient désormais différentes et le rôle de la puissance publique était désormais différent et ce travail de déconstruction il s'est en réalité accompagné d'un travail de reconstruction qui a consisté en quelque sorte à remplacer la conception française de la séparation des pouvoirs héritée de la Révolution française de ce qu'on a appelé un grand panoptique juridique destiné finalement à placer chacun sous la surveillance de l'autre pour être sûr que tout le monde œuvrait à la réalisation de l'objectif de bon fonctionnement du marché, mais c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.